Yo la famille, ok, stop, on arrête tout parce que maintenant, aujourd'hui, c'est moi qui prends le contrôle de la vidéo de Zouer. Je vais essayer de bien cadrer, sinon il va me tuer. Aujourd'hui, vidéo spéciale, très spéciale, plus que d'habitude. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui prends le contrôle de cette chaîne. Il est pas au courant, il est en train de se préparer très rapidement parce que je l'ai réveillé assez brusquement en lui disant que j'avais une surprise pour lui. Ces derniers temps, Zouer, il m'a beaucoup aidé moralement, il m'a fait beaucoup de surprises et en fait je voulais le remercier. Donc ça va être simple, je l'emmène faire un safari en Normandie, c'est assez atypique, mais je surveille pour pas qu'il sorte. En fait Zouer est très très attaché aux animaux, il a une affection très particulière et je voulais le remercier. En fait ça va être archi cool parce qu'on va pouvoir nourrir des animaux, on va pouvoir rentrer dans une serre aux oiseaux. Faut savoir que Zouer adore les oiseaux. On va pouvoir nourrir des animaux, donc j'ai vraiment hâte. J'espère que ça vous plaira autant qu'à lui parce que je suis sûre que ça lui plaira. Et voilà, on se donne rendez-vous dans la journée. Bisous. J'attends juste qu'il arrive. Normalement il m'a fait signe en haut qu'il partait parce que je surveille pour qu'il sorte. J'espère que... Oh, ça y est les gars, il est là. Il est juste ici. Allez hop, on y va. Je suis pas trop matinale. Yo, ça va? Est-ce que t'as une idée de ce qui t'attend? Non, pas du tout. Eux, ils savent. Mais toi, c'est tu sais pas encore. C'est le matin, les gars. Je suis pas trop matinale, j'avoue. Il est 7h30. Il est 7h30, on dirait pas parce qu'il fait jour, mais voilà. Donc, on y va. Allez, voilà. Tu veux pas me dire? Non. Non. En fait, on va payer les impôts. Allez, peace. Où est-ce qu'on va? Ça fait presque 2 heures qu'on roule. Je sais pas où est-ce qu'on va. Ça fait 2 heures parce qu'on avait 2 heures. Ouais, c'est ça. 2h10. Là, ça fait 2 heures. Il nous reste 11 minutes pour arriver. Voilà. Bon, je peux regarder là? Non. Les gars, on vient d'arriver. Attends, remonte un peu le téléphone. On vient d'arriver, les gars. Voilà. Tu restes. Je sais pas où est-ce qu'on est. Elle me demande de fermer les yeux depuis c'est bon, là. Tu peux ouvrir. 2 minutes. Oh. On va faire un petit safari. Alors, t'es content? Je suis trop content, les gars. Et les gars, ça fait des années que je suis pas venu. La dernière fois que je suis venu, c'était en 2017, je crois. 2017. Et là, ça sent là. Oh. Ok, donc là, on est sur le plan du parc. Ah, il y en a un qui est content. On est en train de planifier parce qu'on voudrait faire du coup le petit safari. Il y en a un 11h30 et il y en a un 13h30. Je pense qu'on partira sur celui de 13h30 parce qu'en fait on va prendre le circuit jaune. Et le circuit jaune il dure 1h30. Donc en fait pour pas se presser, je pense qu'on fera celui de 13h30. Et on va essayer de faire goûter des animaux, les girafes, moi, les lémuriens. Moi c'est juste à ta place, on fait celui de 11h30. Le truc de la bouffe des girafes, il est à 14h30, 11h30, on a 1h30. Ouais mais en fait on a... sinon il faut faire le circuit rouge, il dure 1h15. Comme ça, on arrive à temps pour le train à 11h30. Et le circuit jaune, il est à quelle heure après? Circuit jaune, il dure 1h30. Mais on peut le faire l'après-midi? Ouais. Bah, en fait, le matin, ce serait idéal, ce serait de faire le matin un circuit. 2000 years later. Donc là, on part pour le circuit jaune. Circuit jaune, les gars, c'est parti. C'est grave stylé en plus. Hein. C'est très beau. Ça a l'air d'être très calme aussi, hein. Après, on est arrivé 20 minutes... Après, on est un lundi matin aussi. On est lundi matin, on est arrivé 20 minutes après l'ouverture. Voilà. Bon, en soi, on n'est pas pressé. Ça, elle doit être grave, tu vois. Ouais.
Qu'est-ce que tu as trouvé alors? C'est Koda, leur frère des ours. Koda et Kai. Et les gars, je sais pas si vous voyez, mais ils sont vraiment à côté. On se rend pas compte. Oh, regardez sa patte. Dites à mes amis que je m'en vais. Je chante. Et heureusement, il n'y a pas d'électricité dessus parce que sinon là, t'es mort. Ouais, c'est vrai. Attends, viens, on va se mettre en face de lui. Les gars, là franchement, ils étaient juste à côté, mais vraiment, surtout celui-là, il était énorme. C'est incroyable de les voir d'aussi près. Je vous laisse regarder, mais vraiment, c'est incroyable. Donc là, on est dans un petit, je ne sais pas trop comment appeler ça, un petit chalet, où ils posent des questions sur les ours polaires. Il y a de ça un petit peu partout pour les animaux assez spécifiques. Et en fait, c'est un test pour savoir si c'est vrai ou faux. Donc c'est assez ludique. On joue ? Okay. Vas-y, on joue. Ok, l'ours polaire. Je ne mange que de la viande et du poisson. Moi, je dis faux. Et toi ? Moi, je dis faux. Ok. Okay, mes poils sont translucides. Ça veut dire quoi, translucides ? Transparents. Je dirais faux. Moi aussi. Ah non, c'était vrai. Ils sont transparents, en fait. Bah, t'as dit si. Donc, c'est bon. Oui, mais nous, toi, t'as dit non. Ouais. Bah non, en fait, on a faux. Ok. Je ne vis que sur la banquise. C'est faux. Faux. Okay. Je suis un excellent nageur, je pense que c'est vrai. Vrai. J'ai un odorat très développé. Je pense que c'est vrai. Bah moi, je pense que c'est faux. Ah ouais, c'est vrai. Autant pour moi. Donc j'ai gagné. Bravo. On a vraiment de la chance aujourd'hui. Ils sont tout proches, tout proches. Ouais, c'est vrai. Sur la vidéo, on se rend pas compte, mais il doit y avoir là peut-être 5 mètres. 5 mètres. Ouais, parce que là, regarde, il est... Ouais, pour qu'on se rende compte, on est là, et lui, il est juste là, quoi. C'est vrai que sur la vidéo, ça paraît super loin, mais non, je vous assure, il est tout à côté. Les gars, il y a des choses qu'on n'a pas voulu filmer. Comme ça, ça vous laisse la petite surprise, donc on vous conseille d'aller visiter ce zoo. Il est vraiment incroyable. Rudy, comment tu parles avec eux? Coucou. Non. Après qu'on a essayé de parler le langage des singes, on a vu ce très beau tigre. Il est incroyable. Comment il est posé, je suis resté devant pendant au moins 15 minutes, les gars. Bon. Je l'avais dit qu'il pleurait d'émotion. Il aime trop les animaux. Merci beaucoup, c'est un très beau cadeau, mamie. J'aime trop, ça m'apaise. Oh putain. Fais voir tes larmes un peu. J'ai un truc dans la main. Putain. T'es content? Oui, merci. Bon, c'est un très après beau cadeau. Des petites émotions comme ça. On va essayer de se trouver un petit coin pour manger. J'avais prévu les sandwichs dans mon sac. Et puis, on va aller manger. À 13h30, on fait le petit train, le safari. Ouais. Ça va être très cool. Et puis après, cet après-midi, on va nourrir des animaux. Let's go. Bisous. Trop d'émotions là. Je kiffe. Oh, il y a des gros poissons. C'est trop beau. Les gars, il est midi et quart. On se pose un peu. Pour manger, parce que c'est une fin de marché. Oh, c'est incroyable. Oh mince. Il joue. Mince, les gars. Bah, il est parti. Mais en fait. On est en face des gibbons. En fait, là, on est dans le thème Indonésie. Je ne sais pas si tu peux vous montrer un petit peu. Attendez, je vais vous montrer. On
est dans le village indonésien et en fait, étant donné que c'est lundi, les restaurants sont fermés, donc heureusement qu'on a prévu à manger. C'est vrai, mais, heureusement. Mais par contre, c'est ultra cool parce qu'en fait, on est tout seul. On est tout seul. Et nous, c'est ce qu'on aime. On dirait qu'on a réservé le parc pour nous, tu vois. On a croisé deux personnes depuis ce matin. Ouais. Deux personnes. Donc, et je trouve que ça, c'est cool, tu vois. Et en fait, on mange à côté des gibbons, donc on peut voir les gibbons. Et je pense qu'il y en a qui s'amusent parce qu'on entend des trucs qui se font jeter. C'est ça. Regarde, il est là. Là, on le voit juste là. Coucou. Oh. Ça va? Oh. Ils sont super beaux. Les gars, voilà, on est arrivé au train. On a fait notre petit tour. On a vu le parc. C'est ça, le parc jaune. Enfin, le circuit. Circuit jaune, c'est ça exactement. Ouais, on est les premiers. C'est ça, là, on est arrivé les premiers. Bon, on se met devant, comme ça, hop. On s'assoit au milieu. Et on est bien. On prend la place au premier. Ou. C'est toi qui vois. Moi, si je peux te conseiller, tu vois, ça serait bien de. Ça serait bien de se mettre sur. Pas là parce que t'as la vitre, ouais. Mais le prochain, genre. Celui d'après, ouais. Ouais, t'as pas la vitre et on s'en soit devant. Bien à l'intérieur du wagon. Attention à tout objet qui pourrait chuter pendant le voyage, car le train ne s'arrêtera pas. Enfin, respectez nos animaux. Ça penche. Et c'est prévu par train. Ok les gars, et là on a pris du coup le petit train et c'est parti pour 25 minutes. On va faire le tour du parc, donc attachez vos ceintures et c'est parti. Oh regarde les reptiles. C'est quoi? Ah ouais. C'est un poisson alligator. Ça. Ils ont pas l'air très sympas. Ah c'est un Axolotl. Oh il est là. Ça va? Non. C'est ma phobie, je suis vraiment pas bien par contre. Ah,
Regardez, Ophé, elle va tout lâcher, regarde. Non, je vais pas tout lâcher. T'en as trois. J'en ai trois, les gars. Moi, c'est un VIP. Hein. Non, je sais toucher. Ah oh, ouais, ma belle, un blanchiment. J'ai touché sa langue. Arrête. Tu veux le moi faire? Aussi, oh, c'est excellent. J'ai touché sa langue. Vas-y. Waouh, t'es giga belle, ma gazelle. T'as léché? Oh mon dieu! Mais Zouer? Ah oui, tu veux pas faire d'enfant? On y va! Mais tu peux pas partir avec elle? J'ai ramené un sac, j'ai ramené un carton dans la voiture. C'est pas ma petite, t'inquiète, elle sourit! Elle est toute mignonne! Oh! Tu veux venir avec nous? Ça y est, allez. Je suis ma préférée. Tu l'aimes bien toi aussi? Oui. Oula, oulala. Oulala. Qu'est-ce que tu fais toi aussi? Je me casse. Viens là. Regarde, ah, je crois que la daronne elle est pas d'accord. C'est qui la daronne? C'est elle. Personne ne peut m'obliger à rien. En plus, j'adore. Et puis, c'est best life, regarde. Oui. Quelqu'un veut quelque chose? Non. Elles sont pleines. Comme ces petites joues, putain. Tiens, t'as le chef du village, là. Oh, oh, il bouffe. Ah, non, il bouffe mon pantalon. Lâche-lui, son gosse. Putain, c'est dégueulasse. Ah oh non, elle, j'aime trop. On l'appellera Bûchette de chèvre. Moi, je l'appellerai Hulk. Et le mien, Hulk. Allez, viens. Hulk et Zeus. Oh, yeah. Entre guillemets, faire, hein, pas trop non plus. Mais surtout, encore une fois, vous voulez éviter donc de les toucher et surtout ne ramassez pas la nourriture. Ça, c'est vraiment très important. Et en même temps, donc, observez bien comment ils font donc pour attraper la nourriture, comment ils font pour bien manger. Bref. Alors les gars, pour tous les nourrissages qu'on a vus, franchement j'ai adoré parce qu'ils nous expliquent ce qu'ils mangent, d'où viennent les animaux, ils nous expliquent tout et ça j'ai adoré. Là, ben, on n'a rien pu faire pour lui, donc on l'a amputé et on a fait appel donc, au coordinateur, à la personne donc, qui gère l'espèce, les murs couronnés en captivité, qui nous a recommandé, qui nous a demandé de le castrer donc, pour pouvoir bien le conserver, le garder. Donc, voilà, en plus d'être que sur son acte, il y a... en tout cas, nous, on... Les gars, qui a regardé la vidéo Nice? Non, pas de Nice, Monaco. Monaco, effectivement. Monaco, je me suis est-ce que vous vous rappelez ça?
Est-ce que tu es capable de remettre ton doigt? Ah non, non, non. Il m'a ouvert le doigt, les gars. Je vais vous mettre un petit extrait où il m'a mordu le doigt. Je l'ai mis juste là. Vous allez voir, franchement, il m'a ouvert. Allez, vas-y, il a faim, ouais. Bon. Vas-y. Juste. Alors. Oh my god. Oh my god. Oh, ça va? Il m'a croqué, il a pas voulu manger. Oh mon dieu, mais c'est une sale bête. Ah, il m'a ouvert. Fais voir. Regarde, c'est lui, là, avec sa bouche jaune. Il m'aime pas, on s'aime pas. Vous aimez pas, tu crois que c'est le même que celui de Monaco? Je crois que c'est sa famille, quoi, c'est le cousin. Ouah, les lunettes. Regardez, moi, les lunettes, les gars. On a droit à une petite séance. Une petite séance en 3D. Avec Noé, je crois, ça s'appelle. Ouais. C'est Suivez Noé. Je pense que ça nous explique le zoo, les animaux, ouais. Le zoo en 3D. C'est sympa, c'est ça. Et puis, il y a des animaux, il y a des serpents. Il y a un serpent, il y a un Noé. Et t'as plein de personnages. Un serpent, un singe et un rhino, je crois. Ouais, je crois. Et c'est eux, on fait le tour avec eux, je on pense. On pourra pas vous filmer déjà pour garder la surprise de ceux qui veulent venir. Y aller. Et puis, bah, avec les lunettes, en plus, il faut les lunettes pour voir. Ouais. Sinon, on verra pas bien, mais on verra flou. Le coup, regardez les gars, on est tout seul dans la salle. Là, on est tout seul dans la salle. Franchement, on est venu et là, c'est une journée où on est tranquille. Ouais, on a croisé très peu de monde. Hein. Très peu de monde. Aux animations, mais même le monsieur qui nourrissait, pour le coup, dit qu'il y avait personne. C'est ça. Non, franchement, c'est cool. J'ai envie de rentrer, putain. On arrive sur la fin. Alors. Dégoûté. Dégoûté. Tu vois, je t'ai dit, il faut pas que je pars. La nature me tape pour me dire reviens de ce côté-là, reviens de ce côté-là. Les alors, gars, une note sur 10 de cette journée. 15 sur 10, 20 sur 10. 20 sur 10. Ah ouais, non, franchement, c'était incroyable. C'était incroyable. Et ton moment préféré? Quand j'ai nourri les petits oisillons. C'était incroyable. J'ai grave adoré. Déjà ça, puis bah, qu'on a vu, comment il s'appelle? Les girafes. Les girafes, on a nourri les girafes. C'était incroyable aussi. Franchement, avec leur langue là, j'ai grave adoré. C'était grave drôle. J'ai grave ri. Pas encore. Il y a trois moments où j'ai grave kiffé. C'était les oiseaux, les girafes et. Comment ça s'appelle? Le train qu'on a fait, la petite balade en train. Ok. J'ai trouvé ça grave cool. Vraiment, c'est grave cool. Donc, j'ai réussi ma surprise. T'as réussi ta surprise. Ok. On se retrouve dans une prochaine vidéo où ça serait moi qui te fais une surprise. Là, ok. Ça va être quelque chose de ouf aussi. T'inquiète pas. Let's go. Hey, les gars, attendez. Si vous avez kiffé cette vidéo, lâchez un petit pouce bleu, un petit commentaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Et. Peace. J'ai pas envie de rentrer. J'ai pas envie de rentrer. Non, putain. Ça va être gardé pour la vidéo, ça. Non.